bord du Fighting Falcon, aujourd'hui, je vous l'ai dit, le commandant Stéphane Darté, alias Vador. Tout d'abord, cadet de l'air, il s'engage en 1997 et devient pilote de chasse en 2000. Après 15 années sur le terrain opérationnel en tant que pilote, puis instructeur spécialisé en armement, il décide de passer aux présentations aériennes pour représenter le savoir-faire belge. Avec plus de 3100 heures de vol, Vador... Et les jeunes sortant des études, ils avaient quitté volontairement les études, ou alors ils étaient justement en fin d'études, ils intégraient un monde qui était technique. Et ils ont appris à piloter en quelques mois. Ils sont devenus pilotes de chasse avec très peu d'heures. Ils sont montés à bord de ces avions, et des avions qui sont un peu particuliers à piloter. Cet avion, il nous vient de... Il est piloté par un mécanicien qui